Я не верю, что так может быть. Просто взять и жестоко убить. Чью-то жизнь, как свечу погасить. Я не верю. Эту боль на душе не унять. Но я знаю, что нас не сломать. И нам больше нельзя отступать. Отныне навсегда в каждом сердце России 22-03-24. Боже, помоги нам грешным, без тебя не сможем. Наша вера и молитва нам поможет. Не забудем никогда в нашем сердце навсегда. Этот день мы будем помнить до конца. Я не знаю, кем надо стать, чтобы взять и в упор расстрелять, чтобы жизни невинных забрать. Я не знаю. Эту боль на душе не унять. Но я знаю, что нас не сломать. И нам больше нельзя отступать. Отныне навсегда в каждом сердце России 22-03-24. Боже! Я не верю, что так может быть. Просто взять и жестоко убить. Чью-то жизнь, как свечу погасить. Я не верю. Навсегда в каждом сердце России 22-03-24. Voilà, c'était l'introduction pour ce matin. Monsieur Vernochet, pouvez-vous nous dire un peu qui est ce chanteur russe qu'on découvre tranquillement? Chanteur de la dernière génération, mais je n'en sais pas tellement plus que ça, si ce n'est que c'est un chanteur patriote qui à la fois concilie Marie... avec bonheur à la fois la modernité et le sens de la tradition. C'est d'ailleurs ce qui nous fait aimer la Russie d'aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas renié les valeurs, puisqu'on parle toujours de valeurs, les valeurs traditionnelles, et on oppose les valeurs de soi-disant de l'Occident et de l'Europe aux valeurs défendues par les Russes. C'est vrai que les Russes ne sont pas tellement LGBT+, QQQ, plus. Ils sont simplement normaux, mais vous savez très bien qu'on a inversé les polarités, la normalité, ce qui était pathologique autrefois est devenu normal aujourd'hui et vice-versa. Encore une fois, il ne s'agit pas de rétablir ou d'établir plutôt un ordre qui serait... exclusiviste, qui serait ségrégatif à l'égard de toutes les déviances ou de toutes les bizarreries que peut comporter la nature humaine, loin de là. Mais cela doit rester du domaine privé, on ne peut pas bâtir, d'ailleurs ce serait le sujet d'une émission, on peut penser qu'aujourd'hui la promotion wokiste
de toutes les pratiques sexuelles non reproductives vont dans le sens de la dépopulation mondiale qui est prévue par le mais là c'est allé un peu loin en ce qui me concerne par le Forum économique mondial et toutes les grands gourous transhumanistes qui entendent diriger le destin de l'humanité. Je suis d'accord avec vous. Ce genre d'artiste-là, on n'en voit plus ici beaucoup. En tout cas, au Québec, il y a Raymond Lévesque, un de nos poètes très qui a fait quand les hommes vivront d'amour, se plaignait effectivement dans les années 80. C'est pas d'aujourd'hui. Il disait que les thèmes qu'on abordait dans nos chansons parlaient souvent de notre gros nombril. Et étaient plus des chansons qui venaient à se dépasser ou à, en tout cas c'est effectivement on le constate, puis en France aussi la musique française n'est plus ce qu'elle était. Monsieur Vernochet, on va aborder aujourd'hui la question de l'attentat là du Crocus City Hall à Moscou. Vous avez suivi ça de près depuis quelques jours et on aimerait beaucoup avoir votre analyse ce matin. Et je tiens à souligner aux auditeurs que par la suite, après M. Vernochet, on va avoir M. Bassam Tahan qui va venir aussi nous parler des origines de ces groupes terroristes qui déstabilise nos démocraties, et on va essayer de comprendre un peu le fond de cette histoire-là. Monsieur Vernochet, on a procédé à l'arrestation, je crois, de 11 terroristes. On a vu toutes sortes d'images circuler là sur les réseaux sociaux. Pouvez-vous nous en apprendre un peu plus sur l'origine de ces personnes-là? Alors, vous venez de poser une hypothèse, à savoir que les terroristes arrêtés, ceux qu'on a vus avec une paupière coupée, une oreille coupée, ou passée à la gégène, c'est-à-dire l'électricité, seraient véritablement les vrais et totaux protagonistes de cette affaire, sans doute. Sans doute, ce sont visiblement des pauvres types, des Tadjiks, mais ce sont des pauvres types, on le voit bien. C'est le mercenaire de bas étage. Mais il y a beaucoup de contradictions dans cette affaire. Juste un dernier mot sur le chanteur chaman. Je trouve qu'il a des accents qui sont très prenants. Ça parle. Il y a quelque chose de vrai dans son chant, de pathétique, mais dans le sens noble, pathos, patein, souffrir, dans son expression, qu'on n'entend plus. C'est pas de l'Eurovision où ils chantent tous sur le même ton, avec la même musique, c'est stéréotypé à outrance. Là, il y a quelque chose de vrai qui émane de lui, il y a une force. C'est indéniable. On devrait le donner en exemple à nos chanteurs français, qu'ils retrouvent un peu de véritable authenticité. C'est pléonasmique ce que je viens de dire, mais allons-y. Alors, on a arrêté ces pauvres bougres, mais quand je dis pauvres bougres, je n'ai pas de pitié pour eux. Je déplore les méthodes traditionnelles d'interrogatoire. Les méthodes traditionnelles, il faut savoir que la Russie était extrêmement dure quand on jusqu'à Catherine II, quand elle prend le pouvoir par un coup d'État en 1762, si on manquait son affaire, on finissait sur la roue. Hein, on était roué vif et on passait tout de suite immédiatement à la chambre à torture. Sur des climats rudes, des hommes rudes, encore bruts de décoffrage. Il faut dire que si on lâche la bride aux gens, apparemment, ils se laissent aller. Il y a eu un passage en justice cette nuit des prévenus, 4 apparemment, peut-être 11 arrestations, mais 4 au moins. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été tués, on l'a dit lors de l'opération d'interception, mais le magistrat s'est enquis de savoir qu'il avait coupé l'oreille, et comme les intervenants
étaient cagoulés les 11 ou 12 ou plus d'intervenants, ont tous dit qu'ils étaient responsables de cette amputation un peu sanglante, mais qui impressionne le prévenu. Quand on commence à vous couper une oreille, pourquoi pas le nez, pourquoi pas le reste. Et alors bien sûr, sur LCI hier, il y avait le bobo de service qui trouvait que c'était dégueulasse, quand même, ces pauvres types, ils tremblaient comme une feuille. On dit, bah oui, ils tremblaient comme une feuille. Quand on se fait arrêter après avoir commis un meurtre de masse, on peut trembler, on a des raisons légitimes de trembler. Et on ne doit pas s'exposer à la mansuétude de la justice, mais chez nous c'est bisounours, il faut protéger. N'oubliez pas que depuis Monsieur Badinter, qui devrait être normalement panthéonisé, ce qui compte le plus c'est la vie des criminels mais pas des victimes. Voilà, on a supprimé la peine de mort en France pour les criminels, pas pour ceux qui ont trépassé ou risqueront de trépasser à nouveau. Quand on les libérera, puisque aujourd'hui vous êtes condamné à 20 ans, vous en faites 5, hein, c'est dérisoire. Alors revenons à l'attaque du Crocus. Oui, c'est étonnant, c'est étonnant. L'arrestation a été vraisemblablement est intervenue au cours de la nuit. Or les vidéos ont été tournées dans la journée, comme s'il y avait une sorte de mise en scène. Je vois un contraste aussi très net entre la haute technicité, l'organisation de l'attaque perpétrée dans ce City Hall, qui est extrêmement minuté. Hein. On se croirait qu'il y avait un film américain avec des gens qui, à la seconde près, un film qui n'était pas mal d'ailleurs, de Kathleen Bigelow, un de ses premiers films, les attaques se faisaient à la seconde près. Là, on a l'impression aussi ils abattent les vigiles, mais qui sont des retraités la plupart du temps. Hein. C'est pas les gros, les gorilles que l'on voit à l'entrée de nos supermarchés chez nous. Il y a pas d'insécurité, on poignarde pas les gens dans la rue comme en France. Ou peut-être comme au Canada, que sais-je. La société russe est beaucoup plus stable. Alors, excusez-moi. C'est pas grave, c'est les joies du direct, on comprend ça, monsieur Vernachet, il n'y a pas de problème. Oh, donc, ça c'est un pas, cette connerie. Voilà. Alors, oui. Oui, c'est normal. Les vigiles, on les abat, on entre, et il y a une doctrine américaine dans l'aviation, c'est fire and forget. Tire et casse-toi. Tire et tire-toi. Fire and forget. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. On a l'impression que c'était merveilleusement minuté, très bien organisé. Alors, leur fuite. Est beaucoup plus surprenante. Je ne sais pas, ils n'ont pas changé de véhicule, ils n'avaient pas de véhicule relais, ils n'avaient pas de planque, et ils se dirigent tout droit dans la nasse, c'est-à-dire vers la frontière ukrainienne. Alors, apparemment, on avait prévu de les laisser passer ou de les abattre dès le passage de la frontière. Visiblement, je reviens à mon impression, ces Tadjiks que l'on voit sont des hommes de main, mais de très bas étage. L'un d'entre eux avoue qu'il a été payé 5 000 euros, c'est-à-dire 500 000 roubles, c'est dérisoire. Quand les caïds de la drogue marseillais envoient un gamin de 14 ans abattre un concurrent dans le 9-3, c'est-à-dire le 93, mais ils disent 9-3, vous le savez. Et on lui paye évidemment le TGV, et il a 1 000 euros, 2 000 euros, mais c'est là aussi du fire and forget. On monte à Paris, on abat et on redescend. Ce sont les mœurs d'aujourd'hui dont on parle peu sur les grandes chaînes de télévision, parce qu'il ne faut pas que les foules soient inquiètes ni affolées. Donc,
Il y a quelque chose me gêne fortement. On dit que certains auraient pu être infiltrés à l'occasion des attaques perpétrées sur la ville frontière, la ville russe frontière de l'Ukraine, Belgorod, il y a une semaine ou deux. L'un serait arrivé par avion d'Istanbul. Donc, on sent qu'il y a une organisation derrière et une organisation supérieure, mais là, tout d'un coup, ça se met à foirer. Les gars tombent entre les pattes du FSB, des forces de sécurité russes, sans coup férir. On les repère sur la route. Comme je suis un vieux, ça me fait penser à l'assassinat de Kennedy avec Lee Harvey Oswald qui est là. On ne va pas dire qu'il sert de bouc émissaire, il avait un fusil, mais qui visiblement n'a pas perpétré le crime, puisqu'il y a une balle magique, vous savez, qui se balade un peu partout. Et là, on a vraiment l'impression que ces gens sont là en écran pour masquer véritablement les véritables perpétrateurs. Je dis perpétrateurs pour pas dire auteurs, parce que apparemment ils sont allés, ils sont entrés, ils ont tiré. Mais ceux qui ont vraiment monté l'opération ont fait en sorte qu'ils tombent justement entre les mains des proies faciles. Alors maintenant la question qui se pose. Daesh, pas Daesh, le Rorassan, Daesh, Rorassan, c'est l'État islamique, c'est du pain béni pour eux de revendiquer. Hein, c'est un coup formidable. Maintenant, en sont-ils véritablement les vrais commanditaires ? On peut se poser la question. Lorsque les tours du World Trade Center tombent, n'oubliez pas, trois tours avec deux avions, hein. N'oubliez jamais ça. Hein. Et trois tours, deux avions. Et donc, on sait qu'on jubile en Afghanistan. On jubile, mais personne, je ne crois pas que Ben Laden lui-même ait reconnu être le véritable promoteur de l'opération. On voit bien que. On sait très bien dans leur grotte creusée au marteau piqueur avec leurs théières et leurs poignées de riz que les talibans et la légion arabe qui comptait 800 hommes ou plus gros peut-être 2000 hommes et 800 hommes étaient incapables d'organiser une telle opération, l'opération du 11 septembre. Voilà. Donc, je pense qu'il y a peut-être une récupération de ce côté-là. Maintenant, encore une fois, le montage et les écrans superposés, les poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres, me semble être un travail professionnel tout à fait remarquable. Alors, je ne tire pas de conclusion. C'est peut-être effectivement des djihadistes. Mais je rappellerai aussi que les djihadistes qui œuvraient en Syrie, contre lesquels les Russes ont eu à se battre et à combattre, étaient des mercenaires, sans qu'ils le sachent eux-mêmes, étaient des mercenaires des relais de la politique du département d'État américain, de la CIA et du reste. Ces gens menaient une guerre contre le régime Baasis qui voulait tomber. On était dans une perspective de régime change, de changement de régime. Nous soutenions l'armée syrienne libre qui, soi-disant, n'était pas islamiste. Alors, je peux vous dire que j'ai rencontré en Syrie des repentis. Hein. Les repentis, c'était des islamistes purs et durs, même s'ils n'étaient pas inféodés à Daesh, à l'État islamique, il aurait mieux valu ne pas tomber dans les mains. Ce sont des gens qui, lorsqu'ils pouvaient égorger un koufar, étaient persuadés qu'ils allaient directement au paradis. C'est quand même des gens un peu frappés.
je ferai pas dingue. Ce sont pas des tendres, c'était pas. Donc, mais on disait que c'était des combattants de la liberté. Enfin, il suffit de changer les mots, mais changer les mots ne change pas forcément les choses. Oui, je suis perturbé par les images que vous diffusez en même temps. Tout ça me semble quelque chose qui ne tient. Il y a toutes sortes d'ombres, de choses qui ne tiennent pas debout. Alors, est-ce que les Ukrainiens auraient laissé revenir ou pensaient qu'ils allaient pouvoir passer la frontière et on effaçait les Tadjiks qui avaient commis l'opération? Je n'y crois guère. Et la thèse et l'hypothèse officielle russe que derrière cela se trouverait l'Ukraine, ça tient la route. C'est pas absurde. Alors, vous avez une question, Karl? Oui, j'ai une question parce que, je lisais tous les commentaires sur le site Telegram de Katia Kapilova, puis elle a émis un commentaire que je partage. On est tous d'accord que c'est des pauvres types qu'on a embarqués dans une mission qui avait aucun sens. Oui. Et on veut savoir qui est derrière ça. Vous connaissez bien le dossier, M. Vernochet. Je sais que c'est très délicat. Il faut faire attention de comment on aborde ça. Mais moi, aujourd'hui, j'ai l'intention avec vous d'essayer au moins d'explorer les pistes. Parce que ça, il y a eu, entre autres, la visite du Hamas à Moscou, où il y a des représentants d'Israël qui ont dit que Moscou allait payer cher cette visite-là. Il y a des signes qui montrent qu'il y a quoi derrière ça, et c'est ça qu'on veut savoir. Parce que si on veut régler le problème... Alors, on est Karl. Seul, je pense, la haute technicité dans l'organisation, dans la commission de la perpétration de cette attaque terroriste montre un très très haut degré d'organisation, de professionnalisme. Seuls des services comme la CIA, le MI6 anglais ou le Mossad sont capables d'une telle organisation. Maintenant, dire cela ne les accuse pas forcément. L'hypothèse, vous l'avez dit, et je le répète après vous, et nous l'avons dit, l'hypothèse, c'est pauvres types, mais pauvres types, ça ne veut pas dire qu'ils sont excusés. C'est pauvres types qui sont des tueurs, semblent avoir été propulsés là, sur le devant de la scène, comme les cerfs de Dicor, lorsqu'ils sont chassés à court, débusquent un daguet, un jeune cerf, et l'envoient devant la meute à leur place. Voilà, ça pue le billard à 3 bandes, à 4 bandes, à 5 bandes. Que dire? J'avais des choses à dire tout à l'heure et puis je les ai, ça va me revenir. Ben, regardez, je veux juste dire, j'avais demandé à Erwan Castel de me donner une carte de où était le théâtre. Ça, c'est de Moscou. Et il me disait que dans les 2 premiers cercles qu'on voit à l'écran, c'est ils ont des caméras qui peuvent faire la reconnaissance faciale. Et c'est pour ça que c'est très bien organisé. Où est le Crocus City Hall? C'était à l'extérieur de ces fameuses caméras-là. Et le plan avait été étudié. J'invite les gens à regarder la vidéo que j'ai faite avec Erwan Castel samedi matin, pour comprendre où est situé géographiquement et comment cette opération-là a été pensée d'avance. Et Charles, on a d'un côté, numéro un, on a visiblement des gars qui sont des hommes de main, mais de bas étage, des tueurs de bas étage. Il y a peu de doute, ce sont certainement les perpétrateurs. Mais deuxièmement,
il faut noter la très haute technicité dans l'organisation. Ces gens-là également ont été entraînés, parce que quand on regarde la vidéo de l'attaque, attaque qualifiée d'ailleurs de fusillade par la fausse dissidence française. J'étais surpris, boulevard Voltaire. Je dis cite boulevard Voltaire parce que c'est une référence chez nous. Fusillade, non, c'était pas une fusillade, c'était une attaque terroriste. On les entend, ils tirent au coup par coup. C'est-à-dire que les fusils d'assaut permettent de tirer en rafale et de tirer. Or, tirer coup par coup, c'est tirer pour tuer. Ces gens-là ont été, avaient une mission précise de tuer. Alors, y en avait-il d'autres? Ça, je ne peux pas le dire. Les caméras le diront, ou l'enquête le dira, ou ne le dira pas. Alors, maintenant, le troisième point, c'est que cet acte n'est pas un acte neutre. Nous sommes entrés dans une nouvelle phase de la guerre, de cette guerre qu'on appelle hybride et qui est la guerre terroriste. Alors, la guerre terroriste, c'est pas nouveau. Le Flavius Joseph, qui était juif, mais converti à la romanité, qui a écrit l'histoire des guerres juives, qui est le grand historien de cette époque des affrontements entre l'Empire romain et les Zélotes, et les Sicaires, hein. Sicaire, voilà, c'est un mot connu, les tueurs, ceux qui tuaient, qui trucidaient dans la rue à coups de couteau, parlaient déjà des sources empoisonnées, comme le fera plus tard d'ailleurs Saint Jean Bouche d'Or, Saint Jean Chrysostome, et tout au long de l'histoire, donc d'une guerre terroriste. L'empereur philosophe Marc Aurèle, le grand stoïcien, dans ses mémoires pour lui-même, écrivait « Ô Marcomans, ô Sarmates, ô peuple terrible, vous n'êtes rien à côté de ces peuples du Levant qui, eux, mènent des guerres absolument inexpiables, et qui n'ont peur de rien, d'ailleurs. Il faut bien le reconnaître, cet immense mérite. Je ne dirais pas que c'est un peuple terroriste, mais il sait l'être à l'occasion, Israël ayant été fondé par la terreur et dans la terreur, celle de la Haganah, du Lirgun et compagnie. On va pas refaire l'histoire du monde moderne, mais encore que cela mériterait. Je rappellerai d'ailleurs que le terrorisme n'est pas défini par les Nations Unies, qui a renoncé, après avoir remis moult commissions, personne ne sait ce qu'est le terrorisme. En droit français, il y a une apologie du terrorisme. Alors, le terrorisme n'est pas défini véritablement, sauf à ce que je me trompe pas, n'est pas défini stricto sensu. On parle de l'apologie du terrorisme, des actes violents, des attaques, etc. Mais le terrorisme, justement, parce que la ligne de démarcation entre résistance et terrorisme est à ce point ténue, à ce point flou et à ce point confuse que l'on ne peut pas parler de terrorisme. Mais là, évidemment, nous sommes entrés dans une dimension de guerre terroriste. Et ça, c'est nouveau. Il y avait des actes terroristes qui ont été commis déjà à Moscou, l'assassinat d'Aria Dougina ou de ce blogueur dont on fait sauter la réunion, qui est tué au cours d'une réunion dans un café à Moscou. Il y a eu différents actes terroristes, mais du terrorisme style nihilisme de la fin du 19e siècle. Là, on entre dans une autre dimension. C'est une véritable attaque qui fait moins de morts, évidemment, que le 11 septembre, mais qui en fait beaucoup. N'oublie pas que pour le 11 septembre, on a dit que les services saoudiens y étaient mêlés, mais également les services pakistanais, l'ISI, et éventuellement aussi le Mossad et la CIA. Enfin, c'était quelque chose d'extraordinairement bien ficelé, d'assez extraordinaire, plein de trous, plein d'ombres, mais qui a résisté à tous les rapports officiels, évidemment, puisque personne n'a intérêt à ce que la vérité vraie soit connue. Donc, là, si c'est une attaque contre la Russie elle-même, à l'intérieur de la Russie, c'est un acte de guerre, c'est un acte de guerre terroriste, mais un acte de guerre tout court.
encore une fois, il faudra en tirer les conclusions. Enfin, ce ne sera pas à nous de le faire véritablement, mais voir comment le pouvoir russe de la Fédération de Russie compte répliquer à cela, parce que ce sont des attaques. Je reviens sur terrorisme, non-terrorisme, résistance, non-résistance. Il y a des lois de la guerre. Il y a des limites implicites ou explicites à ne pas franchir. D'ailleurs, les belligérants et les co-belligérants en Ukraine se gardent bien de franchir certaines lignes rouges. Il y a ces lignes rouges implicites. C'est pourquoi l'Allemagne ne vend pas ses taux russes à l'Ukraine, parce que les taux russes ayant un missile de croisière, ayant une portée de 500 km, ils seraient susceptibles d'aller frapper sur le territoire russe. Encore une fois, il y a des lignes que l'on ne franchit pas et il y a des règles qu'on respecte. On parlait naguère des lois de la guerre et des coutumes de guerre. Les coutumes de guerre voulaient qu'on respecte les prisonniers, qu'ils soient du champ de bataille, avec ou sans les conventions de Genève. Mais depuis quelques décennies, ces conventions de Genève sont largement ignorées, ce qu'ont fait les Américains quand ils sont arrivés en Afghanistan, ce qu'ils avaient fait autrefois à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La Croix-Rouge n'avait plus accès et les prisonniers devenaient du bétail bon à passer à la boucherie ou à l'abattoir. Voilà. Alors, pensons à cette dimension. Un, la haute technicité qui ne correspond pas au profil des personnes, des terroristes arrêtés. Je ne fais pas le lien, la liaison. L'hypothèse que l'État islamiste ait revendiqué ses actions, ses opérations, mais sans en être véritablement l'auteur ou le commanditaire, en ont-ils les moyens, ce qui est contredit d'ailleurs par la très haute technicité de cette affaire, et puis le fait que cet événement s'inscrit dans le cadre de la guerre, mais d'une guerre qui prend la dimension d'une guerre terroriste, étant donné que sur le terrain, l'armée ukrainienne reflue. On dit « Ah, mais c'est pas un manque d'hommes, c'est un manque… » C'est ce que disent les gens de LCI, filiale de TF1 en France. « C'est pas un manque d'hommes, c'est un manque de matériel, un manque de munitions, un manque de… » Si, c'est pas vrai, c'est un manque d'hommes. Les forces, les ressources humaines vigoureuses, soit se sont exilées, soit ont quitté très rapidement l'Ukraine au début de l'opération spéciale, qui maintenant est officiellement et ouvertement une guerre, d'ailleurs, soit ont été tués sur le champ de bataille. Monsieur Vernachet, j'ai deux autres questions parce que là, il vient de s'en rajouter en coulisses, Monsieur Bassam Tahan et Erwan Castel, que je vais mettre à l'écran dans quelques minutes, mais avant, je voulais terminer avec vous. Certains observateurs ont remarqué l'empressement des États-Unis de pointer ces groupes ISIS et compagnie. Certains ont dit, et aussi ils se sont empressés à déculpabiliser l'Ukraine dans cette opération-là, ce qui a fait dire à certains qu'on avait des choses à cacher. Et effectivement, Monsieur Vernachet, on le dit ici à Broche TV depuis avec Erwan entre autres, l'OTAN a perdu la guerre en Ukraine et la seule voie qui leur reste, c'est le terrorisme. Mais ce que j'ai à vous poser comme question, qu'est-ce qui reste comme choix à Vladimir Poutine si ce n'est que de régler le problème ukrainien une fois pour toutes? Alors, c'est ça qui est grave et dangereux. C'est que les Russes ont montré jusqu'à aujourd'hui une véritable patience, ont conduit une guerre d'usure, une guerre défensive. Beaucoup leur ont reproché en disant « mais ils pouvaient foncer dans le tas et balayer tout ça, c'est possible, je ne suis pas expert en la matière ». Toujours est-il qu'il ne faudrait pas justement que cet acte terroriste constitue une provocation.
provocation à une réponse qui serait non pas disproportionnée à la façon israélienne à Gaza, mais une réponse qui serait qui permettrait aux ennemis de la Russie d'enclencher une escalade. Ça, c'est le grand danger. Il faut garder son sang-froid et ce n'est pas toujours facile parce que de nombreuses voix s'élève en Russie, même la voix de Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma, qui serait pour donner une leçon cinglante, administrer une leçon à des gens comme Macron. Monsieur Tolstoï faisant bien le distinguo entre la France réelle et le pays légal, dirigé par un semi-fou. Mais l'explication, ça serait aussi un sujet, mais nous y reviendrons ultérieurement. Dire que monsieur Macron est un pervers, il l'est certainement, un psychopathe, s'il est pervers, pourquoi pas un psychopathe, mais monsieur Macron n'agit pas de sa propre initiative. Là aussi, lui-même a des commanditaires, il y a des gens qui poussent à la manœuvre. Là, je peux vous dire que sur les télévisions françaises, on parle de plus en plus de l'envoi de 20 000 hommes. Alors, on en est au débat, est-ce réalisable techniquement, pourra-t-on tenir, pourquoi faire, que faire? Mais enfin, la question se pose de façon extrêmement pressante dans nos grands médias de désinformation en continu. Maintenant, je voudrais faire une observation que reprendra Monsieur Tan peut-être plus tard. Il faut faire une distinction entre Al-Qaïda et Daesh. Autant le 11 septembre était possible parce que c'était Al-Qaïda et Al-Qaïda avait des franchises, avait des gens qui étaient autonomes, ils avaient la franchise Al-Qaïda, mais ils faisaient ce qu'ils voulaient dans leur coin. Là, ces gens étaient-ils franchisés? C'est moins probable dans la mesure où Daesh, lui, est un État qui dirige ses troupes. Il faut bien faire la distinction entre Al-Qaïda et l'État islamique, l'État islamique étant plus jacobin, plus centralisé et moins franchiseur que n'était Al-Qaïda. Là, il y aurait tout un débat, toute une étude à faire sur la vraisemblance à la fois des revendications et de la capacité justement de ces mouvements islamistes, djihadistes, takfiristes à réaliser ce type d'exploit. Exploit entre guillemets. Hein, c'est... Monsieur Vernachet, vous pouvez prendre congé comme vous voulez, mais vous pouvez rester là si vous voulez là. Moi, ça me fait plaisir. Non. Bonjour Erwan, bonjour Bassam. Bonjour Jean-Michel, bonjour Karl, bonjour Bassam. Je m'excuse, je n'ai que très peu de temps parce que je dois aller faire des procédures médicales. Et bonjour surtout à la Nouvelle-France. Parfait, merci Monsieur Vernachet. On se reparle nous cette semaine. On va avoir plusieurs émissions pour couvrir parce que ça s'accélère en ce moment. Donc, on va... À bientôt. Alors, Monsieur Bataan, si vous le permettez, on va passer à Erwan rapidement, puis ensuite on finira l'émission avec vous. Erwan? J'ai maximum 10 minutes devant moi. Donc, je ne vais pas revenir sur les détails de l'attaque terroriste dont a subi Moscou. Hein. Donc, le chiffre des victimes a augmenté. On est maintenant à 133 tués. Environ 180 blessés, mais bon, une trentaine sont déjà rentrés chez eux, mais il y a encore des blessés qui sont dans des états critiques. Donc, on a vu autour de cette attaque vraiment ce que j'expliquais ce matin sur mon canal. On a vu vraiment le vrai visage de la Russie que les Occidentaux ont quand même du mal à cacher, à savoir un élan de solidarité absolument gigantesque, magnifique. Des centaines de personnes qui se sont précipitées dans les centres de don du sang, des centaines, des milliers de personnes même qui se sont précipitées immédiatement pour rendre hommage aux victimes, déposer des fleurs à la fois en Russie sur le site, mais dans les grandes villes russes également, et puis dans les consulats et ambassades. D'ailleurs, à ce niveau-là, on s'aperçoit qu'il y a eu une réaction
immédiate et spontanée devant l'ambassade de Russie en France, alors que les autorités françaises n'ont toujours pas officiellement présenté leurs condoléances et condamné fermement cette attaque. Alors pour rebondir sur l'abri, je m'excuse, hein, je suis vraiment très très occupé là, j'ai pas le temps de suivre toutes les discussions, mais je suis d'accord avec ce que disait Jean-Michel Vernochet sur la fin, à savoir que nous sommes face à un théâtre de marionnettes. Et pour parler de l'identité islamiste des quatre Tadjiks qui ont été interpellés assez vite, repérés. D'ailleurs, il y a une dichotomie absolument énorme entre la préparation de l'attaque qui se fait, comme je l'ai expliqué au dernier poste, dans un lieu à un moment précis qui donne le maximum de chances à réaliser un massacre avant qu'interviennent les forces de l'ordre. Donc, il y a vraiment une dichotomie entre l'organisation même de cette attaque et l'identité, la nature psychologique de ces quatre Tadjiks qui s'enfuient comme des branquignoles, comme des va-nu-pieds. Ils ne changent pas de voiture alors qu'elle était arrivée devant le lieu où ils avaient débarqué avec leur armement sous des caméras de surveillance. Ils s'en vont direction l'Ukraine comme s'ils étaient dans une voiture de tourisme dans tous les sens du terme. C'est en plus au niveau des interrogatoires, les gars, ils parlent quasiment pas russe. Ils n'ont absolument pas de revendications qui leur viennent à la bouche. Ils sont tremblants de peur. C'est vraiment des pauvres, j'allais dire pas des pauvres bougres dans le sens populaire du terme, mais des idiots utiles complets. Alors quant à la nature musulmane de leur acte, eh bien, en fait, elle est vite démontée. Elle est vite démontée. Pourquoi? J'ai regardé ce matin, il y a des vidéos qui ont été publiées, soi-disant par l'État islamique sur ces énergumènes, et on les voit sous une banderole, un slogan donc de l'État islamique, la fameuse banderole noire là. On les voit en train de vous savez, les musulmans lorsqu'ils évoquent Allah, ils ont toujours cette habitude de lever le doigt vers le ciel. Or, ces quatre Tadjiks, évoquant Allah, ils lèvent le doigt vers le ciel, mais ils lèvent le doigt de la main gauche. Alors, quiconque connaît l'islam sait très bien que associer Dieu à la main gauche, c'est un sacrilège, c'est une insulte. La main gauche, c'est la main sale pour les musulmans. Ils ne lèveraient jamais la main gauche pour désigner Allah. Et bien sûr, l'image n'est pas inversée. La banderole de l'État islamique qui est derrière eux le prouve. C'est vraiment une image de premier ordre. Ensuite, ils n'ont absolument pas le comportement de gens de l'État islamique. Lorsqu'ils tirent et qu'ils réalisent leur attaque, il y a effectivement une prise de vue à un moment donné qui est faite. Et c'est vraiment une prise de vue pour une mise en scène, pour un jeu de rôle, en fait. Ils ont un rôle à jouer. Et le reste des films, des vidéos que les gens paniqués ont quand même réussi à saisir de l'attaque, jamais on les entend crier, par exemple, à Allahu Akbar, comme ça se fait systématiquement dans toutes les attaques des extrémistes musulmans. Ensuite, lorsqu'ils partent, qu'ils sont récupérés en forêt, ils ne se battent pas jusqu'à la mort. Ils n'ont pas, au moment de l'attaque, de ceinture d'explosifs sur eux. Donc, ils ne rentrent absolument pas, je dirais, enfin, monsieur Bassam Tam pourra peut-être me contredire ou abonder dans mon sens, mais ce sont des idiots utiles pour moi. Alors, ce sont des pauvres bougres. Lorsqu'on les interroge avec un petit peu de caresse du FSB sur le coin du visage, on les fait avouer parce que les gars sont morts de trouille. Je pense qu'ils s'imaginent qu'ils vont être exécutés sur place dans la forêt où ils ont été arrêtés. Donc on leur demande, mais pourquoi avez-vous fait ça? Et les gars répondent spontanément, pour de l'argent. On nous a promis un demi-million de roubles, 500 000 roubles, si on pouvait exécuter le maximum de personnes à Moscou. Donc un combattant de l'État islamique, quand bien même serait-il payé pour faire ou organiser son attaque, jamais il ne revendiquerait cette motivation cupide d'assassinat.
tout combattant extrémiste, fanatique, qu'il soit politique, religieux ou autre, il se réclame de son fanatisme. Même aux dernières secondes de sa vie, il restera accroché à cette revendication fanatique. Donc pour moi, ce sont effectivement des comme je le disais un peu vulgairement, des mange-merdes qui sont recrutés justement dans ces pays d'Asie centrale où il y a une misère qui existe, où c'est des pays qui sont en proie au trafic de drogue, au trafic d'opium, au trafic d'armes, qui sont dans une situation avec des régions qui échappent au contrôle du pouvoir central, des régions parfaitement délétères, où l'ambassade d'Ukraine, excusez-moi, je n'ai plus son nom en tête là, où l'ambassade d'Ukraine au Tadjikistan, l'ambassadeur, c'est l'ancien patron du renseignement extérieur ukrainien. Et sur le site de l'ambassade, ils avaient fait une réclame, un appel aux volontaires pour la Légion internationale de défense pour l'Ukraine, qui est en fait une porte d'entrée pour les volontaires. Et au moment de la sélection des volontaires, on les dirige vers les services les plus appropriés à leur profil psychologique. Donc vraisemblablement, c'est une opération qui a été menée à partir de Kiev via l'ambassade d'Ukraine au Tadjikistan. D'ailleurs, ce type de recrutement n'est pas nouveau. Le FSB à Moscou avait déjà coincé des Tadjiks qui avaient été payés il y a plusieurs mois par justement des intermédiaires contactés via l'ambassade d'Ukraine au Tadjikistan, et ils étaient en fait chargés de prendre des photos de sites militaires sensibles autour des aéroports de Moscou. Donc le FSB les avait repérés, encore des crétins idiots complets, ils les avaient repérés, et donc les gars avaient tout de suite avoué, non mais on nous a payé pour faire des photos. Donc on voit très bien, je pense qu'on est sur une… C'est un théâtre de marionnettes en fait. Les États-Unis, on sait très bien que l'État islamique, c'est quelque part le golem de Clinton, Obama et compagnie. Ils utilisent donc des sous-fifres qui eux-mêmes sont des marionnettistes allant recruter leurs propres idiots utiles, etc. On est un peu dans le jeu des matrioshka, les poupées russes, hein, sauf que là, elles ne sourient pas, les poupées. Elles sont plus grandes que Kalachnikov. Erwan, il y a une question qui se pose. Pourquoi il n'y avait pas de service d'ordre au concert? Pourquoi il n'y avait pas de gardiens armés? On avait l'ambassade américaine et anglaise dit qu'on avait suggéré à leurs ressortissants de ne pas aller dans des endroits de rassemblement public. On comprend mal ça, cette chose-là. Non, c'est très compliqué. Il faut pas jeter la pierre trop rapidement. Bien sûr, il y a peut-être des carences de sécurité qui ont été… l'enquête est toujours en cours. Hein. Il faut bien savoir que les quatre gars ont été interpellés. Ils ont comparu devant un tribunal. Les quatre ont avoué, ont reconnu qu'ils étaient les auteurs du massacre, sans aucun problème. L'enquête continue pour essayer de remonter avec des certitudes. Parce que vous imaginez que si la piste ukrainienne est confirmée, vous imaginez donc ce que cela va engendrer comme réaction de la part de Moscou. Réaction aussi bien au niveau international, c'est-à-dire qu'il y aura certainement une convocation du Conseil de sécurité de l'ONU avec présentation des preuves de l'implication de l'Ukraine dans ce massacre, mais également sur le terrain. Il est évident que si des responsables politiques ukrainiens, des ministres, des députés, voire au-delà, c'est-à-dire dans l'entourage, dans le premier cercle de Zelensky, sont effectivement identifiés comme les commanditaires de cette attaque, il est au niveau au moins des forces aérospatiales russes qui vont maintenant commencer sérieusement à cibler les responsables politiques du gouvernement bandériste. Donc ça, c'est la première chose. Donc pour amener finalement à ce type de réaction, il est évident que les Russes ne vont pas réagir sur une spéculation. Ils vont réagir sur des certitudes menées par les enquêteurs et amenées sur la table du président Poutine. Et c'est à partir de là seulement qu'il va y avoir, je pense, des réactions russes, aussi bien diplomatiques, politiques que militaires. Donc il faut bien, je pense, connaître la Russie. La Russie est une machine qui est très procédurière, hein,
ce sont pas des gens qui sont dans la réaction instinctive. Et à chaque fois, donc, ils attendent, même s'ils ont l'intime conviction, comme on dit devant un tribunal, ils attendent toujours d'avoir les éléments de l'enquête qui abondent ou qui disqualifient leur sentiment initial. D'ailleurs, c'est assez étrange. Moi, je fais souvent le parallèle avec le Nord Stream 2, parce que le Nord Stream 2, donc, ça fait 2 ans bientôt que les gazoducs en mer Baltique, les gazoducs russes, germano-russes ont explosé. Washington ne sait toujours pas dire qui est de cet attentat en mer Baltique. Ah, pourtant, il y a eu enquête, mais que des enquêtes des pays de l'OTAN, bien sûr, qui ont été menées. Et là, dans l'attaque de Moscou, les victimes ont encore les corps chauds, que les États-Unis disent tout de suite « Attends, c'est l'État islamique, c'est l'État islamique ». Donc, c'est quand même assez étrange. C'est même suspect, cet empressement des États-Unis de désigner un coupable, je dirais un coupable idéal, un coupable utile. Voilà, on désigne l'État islamique et on clôture le dossier. Fin de l'enquête. Ils ont d'ailleurs rajouté dans leurs informations que, en aucun cas, l'Ukraine pouvait être incriminée dans cet attentat. Or, en 2019, il y avait un secrétaire de la sécurité du Pentagone qui avait bien signalé que le gouvernement hébergeait des représentants de l'État islamique. Donc, il y a, et j'en ai parlé lors de notre dernière capsule, il y a effectivement une collusion entre les extrémistes islamistes d'Al-Qaïda, alors via les nébuleuses, parce que Monsieur Taham parlera certainement 1000 fois mieux que moi, mais c'est une nébuleuse en fait, cet État islamique, avec des ramifications justement en Asie centrale, en Tchétchénie, dans le Caucase, etc. Et donc on a vu des émirs de toutes ces régions un peu périphériques à la Russie venir régulièrement avec des troupes de djihadistes sur le front russo-ukrainien. Donc les liaisons dangereuses pour les Russes entre les islamistes djihadistes et les Ukrainiens, c'est d'une évidence, c'est clair, c'est prouvé. Maintenant, est-ce que ces quatre-là dépendaient du commandement de l'État islamique? Je pense pas, je pense qu'il y a dû avoir une opportunité. L'État islamique également a aussi cette habitude de revendiquer des attentats qui ne sont pas de son fait. Ils ont des cellules qui, dès que ça explose quelque part, tout de suite ils disent c'est nous qui avons, et par la suite on découvre que en fait c'est pas du tout eux. Donc il faut faire très attention sur les revendications spontanées. Par contre, si on regarde le comportement des quatre lascars là, pour moi ça sent plutôt les crétins que les fondamentalistes fanatiques et convaincus de leurs actes. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci Erwan. Vous pouvez revenir. Chose, je suis toujours à votre disposition, Karl. Désolé pour la petite fenêtre, mais en même temps, vous avez un invité d'honneur. Vous avez un invité d'honneur qui est un expert dans plein de domaines qu'on a évoqués. Donc, je laisse la parole avec grand plaisir et profond respect à Monsieur Bassam-Tam. Merci Erwan. On se revoit nous pendant la semaine. Oui. Donc, merci à Erwan. Donc. Effectivement, on le ressent, on fait face à des idiots utiles. Il y a certains de mes collaborateurs, M. Tahan, qui me parlaient aussi que les États-Unis ont réactivé un vieux compte de l'État islamique, là, de ces groupes-là, que moi, je retiens pas tous les noms, mais on a remis en ligne un vieux compte du côté de l'anglosphère pour effectivement rapidement identifier le groupe, un groupe encore une fois islamique, pour essayer de faire porter l'odieux à ce groupe-là. Monsieur Tahan, je suis content que vous soyez là ce matin pour nous expliquer toute cette manipulation derrière ces groupes dits terroristes qui sont commandités, et on va essayer d'approfondir ça pour le reste de l'émission. Alors, allez-y, je vous écoute. D'abord, bonjour, Karl Brochu. Je suis
Très content de participer à vos émissions parce que cette note dissonante dans un sens positif, c'est presque du contrepoint, n'est-ce pas, dans une orchestration qui ne trompe pas les gens avertis. Alors d'abord, j'aimerais préciser que moi, je n'ai pas encore étudié et fouillé, comme j'ai l'habitude de faire sur chaque événement, l'attaque à Moscou. J'en parlerai une autre fois, sûrement. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très précis, très grave, qui est en relation avec le terrorisme islamique international et qui peut apporter un certain éclairage dont certaines politiques occidentales et certaines chancelleries cherchent à occulter, à nier et à ne pas l'exposer. En fait, on se voile la face. Ce sujet, excusez-moi, ce sujet est le suivant. Quelle relation a entretenu l'État français consciemment ou inconsciemment, avec le terrorisme islamiste dans la guerre de Syrie, qui a duré à peu près une dizaine d'années et qui est toujours là, le problème syrien est présent. Et là, je crois, vous remarquerez qu'on ne parle plus de ça que par illusion, pardon, par allusion, pour dire, vous voyez, oui, l'État islamique en Syrie. Donc moi, je vais essayer aujourd'hui, après une recherche très longue de différentes années où je suis intervenu maintes fois dans différents médias pour expliquer que finalement, ce terrorisme islamique a reçu la bénédiction de politiques occidentales et notamment de la politique française. Vous allez me dire, hé, monsieur Tahan, c'est très grave ce que vous dites. On va aborder ça d'une manière objective, documentée et sans parti pris. C'est pour cela que je me suis imposé une réserve au début en disant consciemment ou inconsciemment. Voyez-vous, quand je dis inconsciemment, peut-être que le gouvernement français était tombé dans un piège, hein? Et, ou certains de ce gouvernement étaient conscients, hein? Mais ils avaient, si vous voulez, comme bouclier le secret d'État, l'immunité politique, le pouvoir exécutif, est-ce qu'il est responsable de tout ce qu'il décide, et voilà. Alors, ce que je vais dire, c'est pas contre la France, je maintiens, moi je suis francophile, francophone, français. D'ailleurs, ma famille a donné plusieurs exemples de patriotisme de par le passé, hein. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais c'est pour vous assurer que ce n'est pas de l'anti-francisme ou francité, voilà. Non, mais c'est simplement pour l'histoire. Alors, tout le monde sait que la capitale de l'État islamique, c'était Raqqa. Raqqa est en Syrie. Ah. Est-ce un hasard que ce soit que l'État islamique ait élu domicile et capitale en Syrie pour avoir des bras un peu partout, poussés vers le Liban, vers la Jordanie, vers l'Irak et même vers le Royaume d'Arabie saoudite. Alors, souvenez-vous que dans ce printemps qu'on a baptisé printemps arabe, que j'appelle toujours le printemps islamo-américain, dans ce printemps arabe, la France a joué un rôle très important, de premier plan,
Et elle a commis une grave erreur, à mon sens, c'est d'avoir reconnu l'opposition syrienne comme seul et unique représentant du peuple syrien. À l'époque, j'intervenais beaucoup plus souvent dans les médias français et autres, et j'avais dit le 6 août 2012 sur France Info, j'étais l'hôte du matin, attention aux barbus. J'entendais par là que cette opposition syrienne avait très peu de choses à voir avec la démocratie ou le libéralisme, mais elle était entièrement gangrénée par les islamistes. Alors, des islamistes de tous bords. Il y avait des gens de l'État islamique, des frères musulmans, d'autres, on va voir, c'est toute une nébuleuse qu'on va découvrir après dans le nom des groupes armés qui menaient une lutte sans merci pour renverser Assad. Donc la France a été un peu le toutou de la politique américaine, permettez-moi ce terme familier. On a dit aux Français, bon, vous allez reconnaître l'opposition syrienne. Et puis on a fait des réunions, on a réuni des dizaines de pays, soi-disant amis de la Syrie. En fait, c'était tout à fait le contraire, c'était des ennemis de la Syrie. Parce que quand on voit, on revient aux chiffres, le nombre de terroristes, djihadistes, islamistes, étrangers, ils n'étaient pas syriens, n'est-ce pas, qui ont été envoyés en Syrie, armés, pour renverser Assad, ça varie entre 150 000 et 180 000. Alors aujourd'hui, on entend parfois certains politiques français ou baratineurs dire « Ah, on aurait dû... bombarder la Syrie, Obama n'a pas respecté la ligne rouge, il fallait, pour dégommer les islamistes, dégommer les islamistes, Bachar el-Assad est un laïc, il n'est pas islamiste, c'est ceux qui veulent le renverser qui sont les islamistes. Donc si on avait bombardé l'armée syrienne et la Syrie, on aurait... vraiment massacrer tout ce qui reste du laïcisme au Proche-Orient, c'est-à-dire l'État légal, légitime, qui gouverne la Syrie au nom du Baas, un parti laïque fondé par un chrétien orthodoxe, comme vous le savez, Michel Aflaq. Donc, vous voyez. Alors, d'où venaient ces gens-là? Alors, on a entendu parler tchétchène, il y avait du Tadjikistan, Il y avait aussi des Arabes. Il y avait 10 000 Tunisiens, par exemple. Et il y avait des Algériens. Il y avait des Soudanais, du monde arabe entier. Tous les islamistes dans cette nébuleuse qui prenaient des noms de groupes. Alors, pourquoi cette multitude de groupes, justement? C'est pour le financement. Chacun ouvrait boutique, les sabres d'Abou Bakr, n'est-ce pas, le premier calife, les vengeurs des sunnites, les je ne sais pas quoi. Dans une émission, j'avais recensé plus d'une centaine de groupuscules en Syrie. Et d'ailleurs, les mots étaient horribles. Il s'agissait toujours de vengeance, de sabres, et toujours en rapport avec des noms de personnalités célèbres de l'islam, comme si les musulmans syriens ne l'étaient pas. Ils sont musulmans, mais c'était simplement une réaction de certains pays et islamistes pro-occidentaux qui voulaient renverser Assad parce qu'Assad n'était pas sunnite. Voilà, ça, c'est-à-dire que là aussi on voit le doigt de la CIA, c'est toujours allumer cette guerre entre
sunnites et chiites. Voyez, et on considérait que forcément Assad Alaouite était anti-sunnite, ce qui est complètement faux, puisqu'il est marié aussi avec une Madame Assad est sunnite. Donc, vous voyez, c'est des. Et on disait que tous ceux qui gouvernaient, c'était des Alaouites, ce qui est entièrement faux. Comme vous voyez, la composition du gouvernement français, du gouvernement syrien, il y a des sunnites, il y a des chiites, il y a des chrétiens, il y a des Alaouites, il y a des communistes, il y a des athées, il y a de tout. Hein, la Syrie étant un pays laïque, donc qui tolère la liberté de croyance. Voilà. Donc, on a eu... comment ces gens-là venaient en Syrie et pourquoi l'État français était responsable? Je reviens à mon premier point. Donc, le point essentiel, c'est la reconnaissance de l'opposition. À l'époque, vous voyez, la France avait d'excellents rapports avec la Turquie. Ah. Les deux ministres des Affaires étrangères et de la Défense s'entendaient très bien avec la Turquie. Et pourquoi j'accuse la Turquie et cette entente surtout? C'est que la Turquie avait installé sur son sol, sur son territoire, des camps d'entraînement hein, pour les islamistes avant de les envoyer en Syrie, parce que je vous rappelle, n'est-ce pas, vous savez très bien que la frontière entre la Turquie et la Syrie fait à peu près 900 kilomètres. Et par différents points, on envoyait ces forces-là, financées par qui ? Entraînées en Turquie, financées par, on avait donné ce rôle au Qatar, et c'est le prince Hamad, le cousin, n'est-ce pas, du père du prince actuel, Tamim, qui l'a dit qu'ils ont dépensé enfin, plus de 100 milliards pour armer ces gens-là. Il y avait aussi, évidemment, de l'argent de l'Arabie saoudite, il y avait des particuliers du Koweït islamiste. Alors, dans cette nébuleuse, vous aviez tous les mouvements. Hein. Il y avait des frères musulmans, il y avait des gens d'Al-Nusra, Al-Nusra qui a été fondée, qui a hérité d'Al-Qaïda. Vous aviez l'État islamique qui se... Et c'était une histoire de financement. L'Américain McCain, qui a été en visite dans cette partie soi-disant libérée du nord de la Syrie, j'ai eu des contacts avec des gens qui ont été du voyage. Ah, et qui m'ont raconté qu'ils distribuaient des chèques, de l'argent à des gens qui étaient islamistes, mais pour lui, c'était des gens libéraux, démocrates. Hein. Et ça, on a des témoignages. D'accord. En plus, la France, et là j'invite la Cour des comptes à faire une enquête, n'est-ce pas, sur tout l'argent versé à l'époque par le gouvernement français à soi-disant cette zone libérée, hein, qui était le nord d'Alep, hein, frontalière avec la Turquie, et on avait donné ce gouvernement, la gestion de cette partie, à ces groupes islamistes. Alors, le prince Hamad, je me réfère à son entretien, il disait chacun recevait de l'argent d'un côté, faisait la guerre à l'autre. Hein? Alors, il y a eu évidemment viol de femmes, massacre de chrétiens dans la vallée de l'Oronte, massacre des chrétiens, des arméniens à Alep. Et celui qui était aussi à la manœuvre à l'époque, c'était Bandar Ben Sultan, le Saoudien, hein? Qui était aussi impliqué dans cette affaire-là. Il était le chef des services secrets. Et on voulait balayer de la carte un gouvernement laïque où le président est alaouite, parce que chez ces sunnites-là, la Syrie est un
est un, si vous voulez, une partie importante de cet arc de résistance chiite, que j'appelle moi le croissant chiite, et il fallait désarticuler à tout prix cette force, cet éveil chiite dans la région, qui s'oppose aux Américains et aux Occidentaux et qui continue de le faire, voyez-vous, et qui, pour beaucoup de gens, représentait un danger pour Israël. Ceci dit, entre guillemets, Israël a soigné les blessés de Daesh, de différents groupes islamiques, dans ses hôpitaux. Hein. Donc, où est la responsabilité française? C'est que les Français savaient très bien que la Turquie envoyait la nuit d'Antioche, la ville d'Antioche, hein, pendant des mois, une trentaine de cars, de bus, remplis de djihadistes qui avaient été entraînés en Turquie. Par ailleurs, les Tunisiens, par exemple, les 10 000 Tunisiens du début, à qui on avait donné les armes de la Libye. Hein, tout ça se faisait, le gouvernement français était au courant. Ces combattants-là, dans les virements de leur salaire, hein, ça passait par la Turquie, mais la France était au courant. Donc, on a fermé les yeux. Parce qu'à l'époque, tout le monde croyait que Assad allait tomber. Alain Juppé disait... Oh, vous savez, les jours de Bachar el-Assad sont comptés. Ça, c'est avant que les socialistes n'arrivent au pouvoir, n'est-ce pas? C'était Alain Juppé qui disait ça. Après, ça a été repris. Je vous parlerai une autre fois de mon rôle dans tout ça. Moi, je ne vous cache pas qu'à l'époque, j'ai écrit à Valls, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, lui proposant mes services. Je le dis, je n'ai pas peur. Hein. Moi, je ne cache pas ma barbe, comme on dit en arabe. Hein. Je parle différents dialectes arabes, je suis islamologue, j'ai passé ma vie à étudier l'islam, à l'enseigner à l'école de guerre, à l'école polytechnique, dans les institutions françaises. Et je reçois une lettre très polie d'un sous-fifre de Valls, que j'étais trop diplômé, qu'on n'avait pas de poste pour moi. Je l'ai dit déjà dans une autre émission, c'est très gentil de la part de Valls, mais moi, je ne demandais pas de poste. Hein. J'enseignais, j'avais un poste, j'avais un salaire, c'était juste un rôle de consultant, de lanceur d'alerte. Hein. Pourquoi? Mais parce que moi, je suivais toutes les nuits, toutes les chaînes, islamistes pour comprendre comment ça fonctionnait, comment parfois sur des chaînes XL porno, il y avait des messages des groupes islamistes, il suffisait de baisser le soutien-gorge de la femme là pour lire dans un message codé, n'est-ce pas, ce qu'il fallait faire, enfin je... bref. Ah oui. Et après, oui, allez-y, si vous avez des questions. Ben, donc, écoutez, moi j'avais Yves Bataille, avec qui je fais des émissions depuis 2 ans, qui nous expliquait l'empire du mensonge dans les opérations en Yougoslavie que Poutine a cité lors de son entrevue avec Tucker Carlson. Nous ici, on a entre autres l'affaire Bissonnette qui a été montée de toutes pièces par l'État profond pour accentuer des tensions ici au Québec qui n'existaient pas. Et vous êtes un grand spécialiste de cette question-là. Puis ce matin, il n'y a pas de hasard dans la vie. Vous êtes offert pour venir m'expliquer ce fonctionnement-là. Parce que moi, j'en ai marre de tout ça, d'essayer de toujours regarder au premier degré ces attentes-là sans vouloir connaître les dessous de tout ça. Et merci de toutes ces connaissances-là que vous livrez ce matin, parce que ça nous aide à comprendre. Et tranquillement, on va réussir à aller au fond des choses. Et c'est pas dans les médias de masse qu'on va l'avoir, c'est dans des médias alternatifs comme le mien qu'on va tranquillement comprendre toute la supercherie de tout ça
et c'est comme ça qu'on va pouvoir se sortir de l'empire du mensonge. Écoutez, M. Tahan, je vous laisse encore environ 10 minutes. Moi, je dois aller travailler. Donc, terminez cet excellent exposé qui nous aide à comprendre, dans le cas syrien, comment on fonctionnait, puis ça nous aide à comprendre le reste. Alors, vous voyez, c'est très bien de parler de plan secret. Le plan secret dont il est question là pour l'État islamique en Syrie, c'est le Timber Sycamore de la CIA. C'est un plan qui a été... Il y a eu une fuite. Ça consiste à envoyer des islamistes par le gouvernement américain et c'était les pays arabes, les pourvoyeurs de fonds. C'était eux qui devaient payer. Ça devait passer par la Jordanie, mais il y a eu une fuite. Même les services secrets jordaniens s'en sont mis plein les poches en vendant parfois des armes, pas simplement aux islamistes de Syrie, mais ailleurs. Ça expliquerait peut-être tous ces kalachnikovs qu'on voit en France, hein, puisque c'était un trafic d'armes du Proche-Orient qui a inondé la région et qui est arrivé même en Europe. Alors, pour vraiment être documenté là-dessus, je vous conseille un livre très bien fait par un journaliste qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas, qui a fait un livre qui s'appelle, le livre de Maxime Chez, hein, c'est sur le Timber Sycamore. Hein, vous tapez Maxime Chez, C-H-A-I-X, et vous allez voir... comment c'est un plan qui remonte à 2012, c'est-à-dire tout ce... À l'époque où j'étais intervenu pour dire qu'il y avait sans doute une conjuration, ou appelez-le un complot, c'est vrai, un complot contre la Syrie, mais je n'avais pas à l'époque les preuves. Je le sentais en tant que canaliste géopoliticien de la région, et je sais comment fonctionne l'Occident au Proche-Orient, mais j'ignorais cette affaire du Timber Sycamore, n'est-ce pas? Donc, alors, pour continuer, si vous voulez, la France aussi a continué à ce soutien, à fermer les yeux. J'étais passé dans différentes émissions où, en France, hein, en attirant l'attention des uns et des autres, que méfiez-vous, cette opposition syrienne est complètement manipulée par les islamistes et il ne faut pas tomber dans le piège, mais personne ne m'a écouté, n'est-ce pas? Après cela, j'ai essayé à nouveau de contacter ici des gens responsables, que c'était dangereux. Pour vous donner aussi une preuve, à la fin, j'étais parmi les premiers à dire que la société Lafarge avait des liens avec les islamistes. Ça a été prouvé par ailleurs, mais à l'époque, je ne l'ai pas dit d'une manière crue. Je vous dis, c'était dangereux pour moi. Mais après, bon, la presse, Le Monde, d'autres médias... se sont consacrés à démontrer ces liens, n'est-ce pas? Mais là, on se demande où était le gouvernement français pendant, surtout socialiste, n'est-ce pas, durant tout ce temps-là, hein? Et n'oublions pas que le président Emmanuel Macron faisait partie de ce gouvernement de François Hollande. Alors, est-ce que c'est conscient, c'est pas conscient? Je vous dirais, peut-être que certains étaient au courant, peut-être que d'autres ne l'étaient pas. Toujours est-il qu'on ne peut pas nier que la France a commis des erreurs dans la gestion de ce dossier syrien et par là et là encourager l'islamisme au Proche-Orient et surtout en Syrie. Hein. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, il faut rectifier, on nous dit il fallait absolument bombarder Assad à cause du chimique. Or, tout le monde sait aujourd'hui, les spécialistes, que l'attaque chimique d'Al-Ghouta, selon Simon Hersh, n'est-ce pas, qui était au courant et qui a publié un article fantastique là-dessus, avec évidemment d'autres spécialistes américains du nucléaire,
et du chimique que ce n'était pas le gouvernement syrien qui avait commis cet attentat. Et ce qui a fait reculer Obama de cette ligne rouge fixée, c'est que la CIA lui a dit « Écoutez, c'est apparemment passé par la Turquie. C'est la Turquie qui aurait engagé des islamistes pour commettre cet attentat, pour pousser les USA à carrément neutraliser l'armée syrienne. » Alors évidemment, il y a des gens qui travaillaient pour les services israéliens, sans doute aussi, parce que ça a arrangé Israël d'avoir une Syrie affaiblie qui n'a pas signé de traité de paix. Voilà. Alors, donc, si vous voulez, ce qui est important dans ce que je raconte, entre guillemets, c'est la durée. C'est que pendant des années, on se demande comment les différents gouvernements français ne se sont pas rendus compte de leur erreur et que de plus en plus, en soutenant cette opposition syrienne, d'ailleurs, il y a des gens qui, jusqu'à maintenant, apparemment, reçoivent des salaires comme opposants syriens, voyez-vous. on avait à l'époque enrôlé tout ce qui était possible dans le coin pour nourrir ces islamistes. Par exemple, des députés de Hariri, le premier ministre libanais de l'époque, faisaient passer des armes aussi, par bateau, de Tripoli vers Antioche, et finançaient également des islamistes. Alors, ça vous explique pourquoi, quand les islamistes étaient arrivés à l'anti-Liban, hein, c'est-à-dire que ces armes venaient de Turquie, du Liban, de la Jordanie, hein, la Syrie s'est trouvée affrontée à un arrivage d'armes et de djihadistes de toutes ses frontières. Voyez, Irak, Turquie, Liban, Jordanie. D'ailleurs, il y a jusqu'à maintenant une base américaine en Syrie au sud, près de la Jordanie, la base TANF, n'est-ce pas, que faisaient ces gens-là. Alors, là aussi, dans un tweet récent, j'avais dit que les Américains, avec leur coalition, avec les troupes françaises qui occupent l'est de l'Euphrate, sont là pour faire la guerre à Daesh et à l'État islamique, et depuis des années. Hein, en quelques mois, Poutine avait détruit une grande partie de Daesh en Syrie. C'est vrai. Hein, en bombardant les camions de pétrole qu'achetait Erdogan aux islamistes. Et là, on ferme les yeux sur tout cela. Et alors, on se dit, mais alors, s'ils restent à l'est de l'Euphrate et qu'ils ne combattent pas vraiment Daesh, parce qu'on en a des preuves, ils sont là, ils utilisent Daesh et l'État islamique parfois pour s'attaquer toujours comme carte de pression contre Assad, le gouvernement légitime de Damas, voyez-vous, qu'ils pillent le pétrole. Le pétrole syrien est exploité aujourd'hui par les Américains. Mais enfin, c'est une honte. C'est une honte pour la France d'être là, de demander aux États-Unis de ne pas quitter le nord de la Syrie. Quel est le but, finalement, de cette coalition? C'est de faire éclater la Syrie, hein, par une occupation turque au nord, une aide aux islamistes d'Idlib. C'est pour cela qu'à un moment donné, j'ai dit... Si Poutine n'était pas intervenu pour arrêter ces islamistes en Syrie, on aurait eu Idlib sur Seine. C'est-à-dire que les islamistes sont arrivés en France. D'ailleurs, je n'omets pas que les attentats qu'on a eus en France sont étroitement liés également aux erreurs que l'Occident a commises en Syrie en soutenant l'opposition syrienne. Hein, puisque la majorité de cette opposition
n'était ni laïque ni libérale. Elle était formée d'une nébuleuse islamiste qui, Nusra, Daesh, frères musulmans, wahhabites, je ne sais quoi d'autre, les anciens afghans, ainsi de suite. Donc, il faut être objectif avec soi-même devant l'histoire. Il faut reconnaître ses erreurs. Hein. Voilà. C'est humain de commettre des erreurs. Mais ce qui n'est pas humain, c'est de continuer dans l'erreur et de ne pas reconnaître sa faute. Hein. Voilà, M. Et là, Tahan. Moi, j'attends un jour qu'on fasse toute la lumière sur le rôle des politiques françaises vis-à-vis de l'opposition syrienne. Hein. Voilà. Et ça, c'est énorme. Voilà, je terminerai par là. Alors, autre chose qui est important peut-être à dire, c'est que vraiment, on dit que Assad est le bourreau de son peuple, ce n'est pas vrai du tout. Il y a 500 000 de morts dans la guerre de Syrie. Sur ce 500 000, il y a au moins 100 000 soldats syriens. Alors dites-moi qui a tué ces soldats syriens. C'est Assad qui s'est amusé à massacrer son armée, hein? 100 000, ça fait le quart de l'armée syrienne régulière. Voilà. Non, non, franchement, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Hein. Vous avez les Occidentaux ont détruit la Syrie et la Syrie est sous la coupe de sanctions inhumaines. Le peuple syrien souffre de famine, pas autant que ceux de Gaza, mais la loi César, là, imposée par les Américains, c'est vraiment ridicule et à la fois tragique. C'est eux qui ont comploté hein, pour envoyer ces islamistes et c'est maintenant qu'ils accusent le gouvernement syrien d'avoir massacré le peuple syrien. Qui a envoyé ces djihadistes de près de 80 nationalités hein. Voilà. Écoutez, je sais que je dis des choses graves, hein. J'ai le courage de les dire parce qu'on m'a toujours appris à chercher la probité et je chercherai toujours la probité dans mes analyses, même si ça déplaît, je ne cherche pas un gain matériel, personne ne me paye, je vis retraité, mais je ne peux pas ne pas témoigner de la vérité, comme mes profs me l'ont appris, et je rends hommage à tous les profs qui m'ont formé. C'est ce qui fait toute la valeur de votre témoignage, M. Tahan. Un gros merci. Vous êtes toujours le bienvenu. Maintenant, je fais des émissions le matin parce que l'accélération de l'histoire est sous nos yeux et on doit multiplier ces émissions-là comme aujourd'hui pour, comme dit Nathalie Auguet, on est mieux informé qu'à une époque, mais il y a encore à décortiquer. Et on va le faire à Brochu TV tranquillement parce que pour moi, ça résonne beaucoup ce que vous dites. Au Québec, on est entouré de l'empire du mensonge, surtout au Canada anglais où Mme Chrystia Freeland nous a mis dans une logique russophobe qui nous mène carrément vers un mur. Et ce mur-là, on le voit arriver de plus en plus vite. Et j'essaie, moi aussi, de mon côté, de contribuer à essayer de sortir de cet empire du mensonge-là avec des gens qui des connaissants et comme vous. Et encore un gros merci, M. Tahan. Vous êtes le bienvenu toute la semaine de 4h à 5h30 le matin, heure du Québec, de 9h à 10h30, heure de France. J'essaierai avec plusieurs intervenants de comprendre tous ces phénomènes-là pour qu'on puisse en sortir une fois pour toutes. Merci, M. Tahan. Merci à vous. Je suis prêt à répondre à toutes les questions concernant ce sujet l'émission prochaine. Parfait. Merci, M. Tahan. Alors, c'était Bassam Tahan, en direct de France, qui est venu aussi témoigner de toutes ses connaissances, parce que là, on va avoir besoin de des gens comme M. Tahan pour... avec l'accélération de l'histoire, il va y avoir plein d'événements. Je pense que c'est pas être prophète de malheur que de vous dire qu'on risque d'assister à des...
de haute intensité qui risque de nous mettre dans l'émotion, dans la peur. Et c'est un peu ça qu'ils veulent pour qu'on puisse mieux nous contrôler. Et j'essaierai avec vous autres d'aborder ça le plus calmement possible pour qu'on garde le contrôle, pour qu'on puisse mieux, tout d'abord comprendre pour ensuite mieux agir. Merci beaucoup. Je tiens à vous dire que cette semaine, on a plein d'invités. Je viens de contacter Bertrand Scholler, qui va être là demain matin à l'émission. Il y a Erwan Castel qui va venir régulièrement dans la semaine nous donner de l'information privilégiée en direct de Moscou. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à leur donner mon courriel, qu'ils communiquent avec moi, qu'on puisse les passer comme ça, tour à tour, cette semaine, pour qu'on puisse, au Québec, dans la francophonie, mieux comprendre ce qui nous pend au bout du nez actuellement. Et merci beaucoup. Merci aux donateurs aussi. Je tiens à vous dire d'essayer, jusqu'à nouvel ordre, de ne pas trop, ceux qui veulent faire des dons, de pas trop utiliser PayPal. On se demandait pourquoi plusieurs YouTubers n'utilisaient pas PayPal. Ils nous mettent là, de plus en plus des contraintes. L'idéal, ça sera par Interac ou pour ceux qui veulent nous offrir des dons. Ou je vais aujourd'hui là, aller me chercher une boîte postale. Pour ceux qui voudront nous envoyer des chèques directement, ben vous pourrez le faire. On va vous donner les détails de tout ça demain à l'émission. Alors, à ne pas manquer, j'ai Bertrand Scholler demain qui vient de me confirmer qu'elle allait être là. J'ai jeudi, Madame Raphaël Auclair, que j'ai déjà passé à l'émission, une russophile qui va régulièrement en Russie, qui enseigne le russe en France, qui est très au fait de ce qui se passe dans l'actualité, qui va venir nous éclairer également. Et vendredi, l'ancien journaliste de l'AFP, l'agence France Presse, Dimitri de Koshko, qui lui aussi a beaucoup de liens avec la Russie, avec le journalisme, bien sûr, c'est un journaliste chevronné, qui lui aussi, comme M. Tahan, avait parfois, qui apparaissait parfois dans les médias en France pour venir parler de d'actualité internationale qui, malheureusement, aujourd'hui, n'a plus de voix. Donc, c'est ce qui... Et il y a le capitaine Place aussi, qui, mercredi, risque de venir faire un tour à l'émission. Il y a toutes sortes de problèmes, notre capitaine. Alors, on va peut-être avoir la chance aussi d'avoir le retour du capitaine Place. Alors, c'est tout pour nous aujourd'hui. Merci tout le monde. On se revoit demain matin, 4h, heure du Québec, 9h, heure de France. Bye-bye.